Des hauts Tchélanes, la vue est belle sur le cirque de Murat, protégeant la ville de la bise et de la traverse. Voici une curiosité naturelle, les trois digues basaltiques de Bredon, Bonnevie et Chastel. Proche du plomb du Cantal, Murat, 3000 habitants, est arrosé par la Lagnon, seule rivière de Haute-Auvergne à se jeter dans la Loire par l'intermédiaire de l'Allier. C'est une cité mariale, fière de la blanche statue de Notre-Dame de Haute-Auvergne, érigé sur le rocher de Bonnevie en 1878. Au Moyen-Âge, s'élevait ici une impressionnante forteresse illustrée par les seigneurs d'Armagnac. Elle fut rasée sur ordre de Louis XI qui fit décapiter Jacques d'Armagnac. Richelieu ordonna sa démolition définitive en 1633. D'ici, on pouvait voir venir l'ennemi de tous les points cardinaux et assurer la protection de la cité, blottie au pied du rocher, derrière d'impressionnantes murailles. Suivez-nous pour une visite de la ville ancienne. Le tribunal, ancien couvent des Dominicaines, reconstruit au XVIIe siècle après un incendie. La maison consulaire, un des joyeux de la ville, date du XVe siècle. La façade a été classée monument historique. Vieille demeure à arcade du XVIIe siècle. La maison Rodier, style Renaissance, est classée monument historique. Comment ne pas admirer les échauguettes, corniches et frontons? La rue Jean de l'Hôpital nous rappelle que celui-ci, tout comme Pierre et Pierre-Hugues de Béral, furent de grands médecins des rois de France. Cette tour marque l'emplacement des anciens remparts, tout près la maison Théillard, d'une célèbre famille muratèse. Une échoppe de boutiquiers du Moyen-Âge, près de la fontaine Chabassou. Et une seconde, à l'entrée de la rue d'Armagnac. La maison des Templiers, modifiée et embellie au XIVe et XVe siècle. Est bien curieuse avec ses deux échauguettes et son passadou. L'ancienne sous-préfecture, surmontée de ses trois tours, a fière allure. Mais Murat n'est plus qu'un chef-lieu de canton. Face à la mairie, à l'autre extrémité de la place, le monument des déportés. «
Le 12 juin 1944, le maquis de Saint-Genès, posté sur le rocher de Bonnevie, attaque des Allemands en pleine ville. Pour se venger, le 24 juin suivant, ceux-ci reviennent et déportent 120 muratés. La plupart ne revinrent pas des camps de concentration. La halle, du type pavillon Baltar, s'élève sur l'emplacement de l'église Saint-Martin, détruite durant la Révolution. L'église actuelle a été construite à la fin du XVe siècle sur les ruines de la collégiale Notre-Dame. Monseigneur Lamouroux, évêque de Saint-Flour et enfant de Murat, vint souvent se recueillir sous ces vénérables voûtes. Aujourd'hui, 12 octobre 1986, notre évêque, Monseigneur Cuminal, accompagné de nombreux prêtres, installe à Murat une de leurs communautés. Le père Chancel, archiprêtre, accueille Monseigneur l'évêque. Après l'évangile, notre évêque trace un programme d'action pour les moines. Pourquoi ce diocèse, qui a été si profondément marqué par la vie monastique, ne comporte-t-il pas de religieux? Nous avons besoin d'un centre de ressourcement spirituel et d'un centre de prière. Mais que demandons-nous aux frères de Saint-Jean? D'être les hommes de la certitude et de travailler avec nous tous à l'évangélisation du Cantal. De moi.
L'ancien pensionnat Sainte-Thérèse, devenu résidence des frères de Saint-Jean, nous reçoit maintenant pour un repas champêtre fort sympathique. Oui, il a l'air effectivement fort sympathique. Et là, il y a des couples d'amis. Oui. Tous ceux qui sont venus. Voilà, photo de famille. Bien sûr, avec l'archiprêtre. Oui. Oui, alors là, tout le monde venait servir. Oui, c'était bien, c'était un libre service. La table d'honneur, d'honneur, mais ce n'était pas protocolaire du tout. Alors, quels sont tous ces invités? Eh bien, là, il y avait quelques officiels, bien sûr, parmi les laïcs, et puis aussi, il y avait les bienfaiteurs, ceux qui sont intéressés à l'installation des frères, et ils ont été beaucoup aidés, et c'était très bien, ça. Tiens, et ces jeunes? Ah, ce sont des ils sont de l'île de Mayotte, ils sont au lycée technique de Murat. Ah, ils ont été invités, c'est très gentil aussi. Oui, ils viennent pour leurs vacances, là, parce qu'ils ne peuvent pas aller à Mayotte chaque semaine. Ah, c'est très bien. Donc, les frères jouent leur rôle, déjà. Ah, oui. Donc... Ah, tiens, je reconnais le correspondant de la montagne. Oui. Et puis... Ah, et maintenant... L'adjoint au maire, le docteur Jarige, fait sa harangue et fait allusion, effectivement, au monastère de Bredon. Et Monseigneur lui répond. Lui répond, c'est cela. Mais le monastère qui est juste en face. Juste en face. Oui. Alors là, c'était très agréable un jour d'octobre. Un temps délicieux, vraiment. Oui. Vraiment. Il commence sous de belles auspices. Ah oui, parce que c'est pas souvent qu'on mange dehors au mois d'octobre. Mais là... Ah, le prieur. Oui, là-bas. C'est cela. Et lui aussi remercie tout le monde à la fin du repas. Il aimait bien les Muratais, leur Vierge Noire, Notre-Dame des Oliviers, revêtue d'un manteau vert couleur olive. Malheureusement, elle a été volée en 1983. Aussitôt, une copie a été réalisée et c'est elle qui est portée solennellement en procession une fois par an, au soir tombant, jusqu'au sommet du rocher de Bonnevie. Le lycée d'enseignement technique flambant neuf. Sur la façade, l'atelier de ferronnerie a fixé l'amusant dicton « Un mur murmura et Murat murmura ». Naguère, cet établissement était dirigé par les frères des écoles chrétiennes. Depuis leur départ à Neussargues, des laïcs dévoués ont pris leur suite. Si d'aventure vous passez par Murat, vous pourrez apprécier la qualité de son hôtellerie et déguster ses délicieux cornets. Je vais voir ce qui se passe à la cuisine. Qu'est-ce que vous nous faites de bon là, Madame Chambon? Ce sont des cornets de Murat. Je suis en train d'y mettre de la crème chantilly dedans. On va bien se régaler.
Le grand concours agricole. Depuis Tissandier d'Escoux, la fière race de Salers, à la robe cerise ou noisette, a acquis droit de cité en Haute-Auvergne et n'entend pas être détrônée par la Frisonne, la Montbéliarde ou la Charolaise. Altier d'un champion. Avant l'arrivée en force des matières plastiques, on fabriquait ici des plumiers et du matériel scolaire. Actuellement, les boiseries pour le bâtiment sont confectionnées dans cette usine, face au cimetière de Murat, alimentée par le bois du roi tout proche, tout comme d'ailleurs la scierie Chalbosse. Monsieur Chalbosse, pouvons-nous filmer votre chantier? Oui, mais vous gênez pas, allez-y. Merci, monsieur Chalbosse. L'eau de la Lagnon actionne encore le moulin de Stalapo. La minoterie moderne et les entrepôts sont proches de la gare, tout comme l'usine de silice, dont les fumées seront prochainement épurées. La carrière, au-delà de Supermurat, près de Sainte-Reine, a de quoi faire rêver les géologues. Il y a des millions d'années, la mer venait jusqu'ici. Un coup d'œil aux environs de Murat. Le château d'Anteroche nous remémore la parole historique d'un d'Anteroche à la bataille de Fontenoy. Messieurs les Anglais, tirez les premiers.
Sainte Reine. Qui le croirait ? Cette jeune martyre bourguignonne du IIIe siècle est honorée dans nos montagnes. À Chastel-sur-Murat, une église à l'abandon. Ici, le muraté Pagès Alary fit des fouilles d'un castrum romain qui ont enrichi le musée Rame d'Auriac. Maintenant, allons à Bredon découvrir les vestiges d'un petit monastère rattaché à l'abbaye de Moissac. L'emplacement du fossé de la tour de Bécoire, rasé par Richelieu. Du prieuré bénédictin, anéanti par la Révolution, ne subsiste plus que l'église romane. Elle fut construite autour de l'an 1000, mais elle est si bien ancrée sur son rocher qu'elle va allègrement saluer l'aurore du 3e millénaire, voire même celle du 4e. Nous apercevons les machicoulis et systèmes de défense. Féodalité oblige. Pendant des siècles, des moines ont chanté ici la gloire du Seigneur et réalisé des œuvres d'art dont certaines n'ont pas échappé à la rapacité des voleurs. Magnifique retable du 18e. Le couronnement de Notre-Dame. Boiserie Renaissance qui chante dans le soleil. Un calvaire de style espagnol. La Vierge donnant le rosaire à Saint Dominique. Le portrait de Durand de Henri, fondateur du monastère. Une cuve baptismale, enfin. Le cimetière actuel est sur l'emplacement des bâtiments Monaco. La tombe de l'abbé Servan, instituteur à Paris des sourds-muets avec l'abbé de l'Épée. Monument de Jean Ajalbert de l'Académie Goncourt. À nos pieds, l'emplacement de l'ancien cimetière et vestiges de la prison. Antique croix, historiée dans la pierre. Une vieille fontaine évoquant une hutte gauloise. Sur des images insolites d'une récente inondation, disons adieu à Murat.